Louis Delattre, Le jeu des petites gens en 64 contes sots. Lu par Sabine pour audiocité.net sous la licence Art Libre. Dédicace. Chacun a son verre coquin dans la tête. En voici une pleine poignée d'un bon Carteron et demi, Carteron de 40 à la mode de Fontaine, quand on vend ses poires. Il est vrai, Dieu merci, que je ne les ai pas tirés tous un à un de ma cervelle, comme autant de caracoles poivrées minutieusement extraites de leur coquille à la pointe de l'épingle. Non. Ce qu'ils ont de plus plaisant est la fleur à peine rajeunie d'un drôlet vieux petit livre imprimé, il y a quelque 300 ans, par un Jean Delattre, qui doit être bien sûr de mes parents, comme dirait Bilboquet, puisqu'il me plairait tant qu'il en fût. Ai-je dédié, dirais-je par goût de l'incongru, cette ratelée de novelettes qui sont bien plus folles, fantasques et hontées et impossibles que jamais mauvaise plume ait crachée sur du papier? Je dédie ces contes sots, bris de zavaux, paix de chat, noix grolières, pierres de cerises et sèches écaflottes, aux plus dignes, aux plus graves, aux plus respectables de mes amis, messieurs Paul Houilloux et Célestin Boudou, qu'ils me pardonnent ma fantaisie en faveur de mon affection. On fait des prières comme on peut, et saint Barnabé de Compiègne, le pauvre jongleur de foire, jadis ne fut pas repoussé de Dieu, encore qu'il ne lui offrit, en guise d'oraison, que des culbutes et des cumulets. Louis Delattre.